Rebonjour. Re. Merci. En fait, j'ai regardé là pour le lien que tu Le m'as lien? donné. Ouais. Ouais, il est pas mal, ouais. Gilbert, ça circule beaucoup en ce moment, l'éco-conception côté environnemental. En Ouais. formation, c'est en plein boom, ils en parlent enfin. Depuis 2021 à peu près, mais fin de l'année. Et c'est un des sites, genre voilà, y a plusieurs ressources, mais c'est le site de comparaison aujourd'hui qui fonctionne bien et qui propose quelque chose de sérieux, même si ce n'est pas exhaustif. Oui, mais je vais regarder ça de plus près. J'ai mis en marque-page, en favori, et je vais une fois regarder ça de plus près tout à l'heure quand je serai un petit peu plus, Au comment dire, calme, détendu. reposé. Il faut dire que ça a été un petit peu folklore, et la captation de ce matin. Que Loïc m'a demandé de faire, je crois, la semaine dernière. Donc, il fallait rassembler de nouveau du matériel. Et moi, j'ai beaucoup de matériel, mais je n'ai pas forcément toujours tout testé. Et fatalement, hier, j'ai eu pas mal de, comment dire, de petits soucis techniques. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je comprends tout à fait. Et surtout quand tu as ton matériel, tu ne sais pas si ça fonctionne tout en même temps. Et en fonction de la configuration, bah, ce n'est pas le même matériel. Voilà, c'est ça exactement, ouais. Donc forcément, et la salle n'est pas la même. Donc tu ne disposes pas de la même façon. Exactement. Non, ceci dit, c'était très agréable. Je trouve la salle très bien. Bon, elle est un petit peu fraîche, mais franchement, c'est très bien. Et je dirais, bon, avec Loïc, on s'est bien débrouillé pour monter l'ensemble, même si Loïc est resté tranquillement chez lui à pouvoir faire sa sieste. Mais voilà quoi. Bonjour Moulay. Bonjour Moulay. Hello. Salut, salut Hélène, salut. Toi, tu fais de la tu fais de la visio-vente ou tu t'intéresses à la visio-vente? Alors moi je fais les deux parce qu'entre-temps il D'accord. y a eu un truc qui s'appelle le Covid et qui nous a obligés à rester chez nous. Et du coup, alors j'avais déjà démarré il y a quelques années, notamment sur les réunions Teams, sur les réunions sur les rendez-vous suivis, etc. Et là, il y a eu un tournant, en effet, avec le Covid et avec le télétravail. Et si tu veux, il y a eu une acceptation aussi de la part des entreprises, de la part des prospects et des clients, du fait de faire des rendez-vous en visio. Maintenant, je pense que la France est un pays latin, avec une culture de l'accueil, avec une culture de la bouffe, avec une culture de l'hospitalité. Voilà, exactement. Le terme, c'est ça. Et que même s'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui fera 100%, 100% à distance, notre génération, alors moi j'ai 43 piges, notre génération, on reste quand même attaché à un vrai contact, un contact humain. Par contre, je crois que la visio-vente augmente la qualité des contacts parce que la visio-vente fait que les vrais contacts sont plus rares. Et la rareté fait la qualité et la rareté fait la valeur. Voilà. D'accord. À part ça, Bon, salut. moi... Ça donne de la valeur, effectivement, moi, je trouve, au fait de se déplacer. Donc, je suis au milieu de la campagne, je travaille à distance. Ouais. Avec une bonne connexion. Avec une bonne connexion, pas de fibre ni quoi que ce soit, et pourtant je suis tout le temps sur Internet. Donc voilà. Et en fait, c'est dès que je me déplace, il faut que ça soit pour beaucoup de valeur ajoutée, mais Ouais. on sait que la relation sera complètement différente. Sûr, bien sûr. Et en plus, et là, si tu couples la rareté avec l'augmentation du prix des carburants, si tu couples ça avec une démarche écologique, éco-responsable, si tu couples ça à une démarche de la part des entreprises, d'économie des charges, et ben t'as la totalité, quoi. Ouais, alors je vois Gilbert sourire parce que je l'ai Vous me pardonnez remarqué. 30 secondes.
Je l'ai embarqué sur l'éco-responsabilité. Tu verras qu'en bas de la visioconférence, de la page visioconférence où il compare les outils de visioconférence, Green Spector a comparé une visio à un déplacement. Donc, tu auras tes chiffres. Après, il faut quand même dire ce qui est. Oui. Une visioconférence égale un déplacement. Ouais. À quel prix le litre? Comment? À quel prix le litre aussi? Ça a été fait quand ça? Avant? Ouais, il y a un peu de ça aussi, mais moi je me suis fait la réflexion ce matin. Enfin, pas ce matin, hier soir en rentrant, où ma jauge d'essence, elle disait oh, fais le plein. Et du coup, ben, je ne l'ai pas fait, mais je dis, mais putain, 2 euros ? Oh, on est où là ? Et c'est vrai, la réflexion me pousse à me dire, bon, écoute, si je peux faire ça à la maison, ouais, ben, tant mieux. Mon chat, il va être content. Moi, je vais être content aussi parce que finalement, je pourrais faire mes ventes en pyjama, si je puis dire. Pour exagérer, hein, mais je pense que ça apporte quelque chose. Après, moi, je suis aussi quelqu'un d'une génération ancienne. J'aime quand même le contact physique. Voir les gens en vrai, il n'y a rien de tel, quoi. Il n'y a rien de tel, mais la vidéo et la visio, en l'occurrence, m'apportent quand même ce contact humain. De pouvoir me dire, tiens, Fabrice, ok, je ne vais peut-être pas forcément le reconnaître tout de suite dans la rue, mais je vois comment il réagit, je vois comment il sourit ou pas. C'est un vrai plus, enfin, moi, je trouve. Hein, et en ayant travaillé en amont déjà sur des vidéos que j'aurais postées ou des visios dans lesquelles j'aurais participé, les gens me connaissent déjà. Alors bon, moi, je cultive un petit peu cette image en plus avec ma barbe blanche que je laisse expressément longue, même si elle m'emmerde plus qu'autre chose. Mais on me reconnaît. Et dans la rue, enfin, pardon, on ne me reconnaît pas dans la rue, hein, je ne suis pas connu à ce point-là quand même. Mais pendant que je faisais les émissions ici sur Lunel, c'était donc un divertissement que je faisais toutes les semaines, les gens, ils me reconnaissaient, ils m'identifiaient. Et des fois, je rentrais dans des prestations de mission auprès des jeunes. Mais les gens, ils me connaissaient. Les jeunes, ils me connaissaient. Oui, c'est le vieux là, qui fait ses émissions toutes les semaines sur TV Lunel. Donc, il y a tout cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. Alors, la visio-vente en elle-même, ce n'est pas mon domaine de prédilection parce que je ne suis pas… Je ne m'estime pas un bon commercial, mais je trouve que de fil en aiguille, qu'on poste sur les réseaux sociaux, qu'on a son site internet, enfin, qu'on a tout cet emballage et qu'on peut accrocher à ça des vidéos qu'on va poster sur les réseaux sociaux et LinkedIn en particulier, en ce qui me concerne de moi, finalement, les gens ils vous apprennent à vous connaître. Ils savent comment vous réagissez, comment vous riez, comment vous pouvez tirer la gueule. Enfin, ça ne m'arrive pas en visio, mais ils connaissent mes réactions. Ils apprennent quelque part mon langage gestuel ou corporel ou les mimiques que je peux faire à travers mon visage. Et ça, dans une vente, c'est quand même crucial. Bon, il faut évidemment délivrer un bon message, mais... les gens, ils vous regardent, ils savent, si vous racontez des carabistouilles, ils le voient. Et je pense que ça, en visio et en visio-vente ou en vidéo, je pense que c'est crucial, quoi. Enfin, je ne sais pas, hein, mais Fabrice en sait peut-être davantage, ou Hélène. Je pense que c'est important. Non ? Je pensais à autre chose, du coup, j'avais une question à te poser. C'est pas grave, je la garde pour après. C'est essentiel, en fait.
parce qu'il y a les mots qu'on, et le message qu'on va faire passer, mais il y a tout le reste. Je vous donne l'exemple, c'est que quand je suis face à un client ou un prospect, j'ai beaucoup de moments où je réfléchis en même temps qu'il me parle, parce que j'ai des images qui m'arrivent devant les yeux, quelque part, des solutions pour lui. Et je traite ça en même temps que la conversation. Donc c'est super, c'est génial, mais ça peut faire peur à un prospect ou un client. Donc je préviens, parce que en fait j'ai le visage complètement figé ailleurs, alors que je suis toujours là en fait et que j'écoute bien ce qu'il me dit en même temps. Mais c'est que je reçois émotionnellement d'autres choses et en termes de ressenti. Donc effectivement c'est important de, c'est pas de contrôler, c'est de maîtriser et de prévenir quand, de se connaître et donc de prévenir. Ça veut dire qu'au début, je me mettais en miroir, en visio, donc je voyais ma propre image. J'ai pu voir tout ce qui pouvait me déranger. Mais après, maintenant, j'éteins, alors pas dans ce contexte-là, mais j'éteins ma propre visio pour ne pas me distraire par moi-même et de ne pas commencer à analyser mes propres réactions. Être vraiment dans l'authenticité et le moment d'échange. Voilà. Alors, pour anecdote, moi j'ai eu ça en radio, où, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, j'avais repris une web radio. Et en radio, on a toujours le casque, tout le temps. C'est un gros casque, ça fonctionne bien. Mais alors, on est surpris par sa propre voix. Et vous avez le même phénomène en vidéo. Quand vous vous regardez, vous voyez vos mimiques, quand je bouge mes sourcils, quand je relève les yeux, etc. Vous avez ce même effet que quand vous êtes à la radio et que vous vous écoutez. Parce que finalement, vous ne voyez jamais. On n'entend pas non plus. Et c'est vrai, c'est un peu choquant. Maintenant, à l'inverse, du fait de la connaissance que vous avez de vous-même, du coup, à travers ce reflet de la vidéo, vous pouvez un petit peu, comme le dit un de mes collègues, je ne sais pas s'il est très connu sur le réseau, Jean-Luc Cohen, qui fait du théâtre, c'est un ancien directeur commercial qui fait du théâtre aujourd'hui, et lui, il dit que le théâtre, c'est la vente, c'est comme du théâtre. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais quelque part, si le fait qu'on se voit, qu'on s'aperçoit, qu'on voit comment on bouge, on voit ses tics, aussi bien ses tics visuels de mimique que ses tics audio, le E, tous les tics qu'on peut avoir. Et ça, la visio ou le fait de se regarder soi-même permet peut-être pas de corriger ou d'influencer, mais au début, c'est un petit peu distrayant. Et à partir d'un certain moment, hop, on se laisse aller et on devient finalement naturel une fois qu'on a, on a bien consommé de la vidéo ou de la visio et de sa propre vision, on s'en préoccupe plus. Je ne pourrais pas, par exemple, pas comme Fabrice, être là. Alors, je fais la même chose, hein, Fabrice. Mais devant un client, je ne le ferai pas. Hein, ou comme Moulay le fait, il est en train de regarder sur son portable ou sur un clavier. Devant un client, je ne le ferai pas. Mais non, mais bien évidemment. C'est juste pour l'anecdote, hein, attention. Hein. Mais tu as complètement raison. T'as complètement raison là-dessus. C'est une évidence. Il y a plein de choses à faire. Et je crois aussi que, en effet, la visio, à la fois l'entraînement, à la fois le fait d'avoir des gens autour de toi qui sont honnêtes et qui corrigent tes tics de langage, qui corrigent tes en fait, etc. Je peux raconter une anecdote. Je vais la raconter de toute façon. Donc. La semaine dernière, je suis allé dans une boutique, d'un opérateur internet, d'accord, pour pas le citer, Free, afin de souscrire un abonnement, une box, une Freebox Delta.
Et à ma grande surprise, la vendeuse à qui j'avais fait une remarque 2 semaines avant, quand j'étais allé me renseigner, avait corrigé ses tics de langage. Je lui avais dit, mademoiselle, je vais vous faire une remarque, je suis vendeur aussi. Vous dites, en fait, à toutes les phrases. Elle te disait, oui, donc la box, elle sera livrée chez vous, en fait, et nanana, en fait. Et moi, je bouais à l'intérieur, mais... Et 2 semaines après, elle avait corrigé ce type de langage. Comme quoi, c'est possible de corriger un type de langage, c'est possible de corriger les E, c'est possible d'avoir un buzzer qui vous dit non, ne dis pas ça. Moi, je suis en plein exercice, j'essaye de corriger et de supprimer les E, les en fait, les à vrai dire, les je vais te dire un truc, etc. J'essaie de corriger ça. C'est très compliqué, mais c'est un bel exercice. Ouais. Tu as des conseils pour nous pour corriger? Qu'est-ce que tu testes en ce moment pour te corriger, à la fois sur l'éthique de langage et puis peut-être sur l'éthique corporelle? Alors, je trouve que moi, je fais du théâtre à côté. Je prends des cours de café-théâtre et je m'entraîne à un exercice qui est assez complexe, qui est le stand-up. Donc je raconte des choses de ma vie que j'amplifie et sous forme de sketch, on va dire sketch. Voilà. Donc sous forme de scène de théâtre. Et je crois que le théâtre est un excellent exercice, surtout quand on a un prof qui est honnête et qui met en avant tes qualités. C'est-à-dire qui n'hésite pas à te complimenter sur ce que tu as fait de bien, etc. Mais qui te dit, là, c'est polluant. Là, par exemple, tu as bougé les épaules comme ça. C'est très Sarkozy ce que tu as fait. Alors, je peux te dire un truc. Quand tu bouges les épaules comme ça sur scène une fois en jouant et qu'elle te dit c'est Sarkozy, tu ne les bouges plus jamais. Donc, je dirais avoir des gens honnêtes autour de soi, avoir des gens qui vous disent la vérité, avoir des gens qui vous disent t'as trop dit ça. Eh ben, juste ça, faut pas être susceptible, parce que évidemment, ils peuvent vous dire des choses qui vont vous vexer. Ils peuvent vous dire des choses qui vont froisser votre ego. Ils peuvent vous dire des choses que vous allez ressentir comme méchantes. Mais c'est tellement constructif et c'est tellement important de connaître ses qualités et ses défauts pour se corriger. Je dirais ça. Je dirais vraiment. Dites à votre entourage, Hélène, c'est ça? Yes. Hélène, si tu partages ta vie avec quelqu'un, tes amis, etc., eh ben, dites à votre entourage de vous corriger et tenez-les au courant et dites-leur, écoutez, je me suis rendu compte, j'arrête pas de dire ça, j'arrête pas de faire je voudrais corriger ça parce que ça me pollue. Signalez-le moi. Mais au bout d'un moment, tu le fais plus. Ok, merci. Mais de rien, chère Hélène. Il y a aussi un truc qui pour enchaîner sur ce que vient de dire Moulay, moi il y a une personne qui m'a un jour, alors, à moi directement, qui m'a un petit peu blessé, mais qui m'a surtout rendu furax. Elle me disait que je ne parlais pas assez bien le français. Hein? Je parle français d'origine. Hein. T'es belge? Je suis belgo-allemand. Okay. Je suis allemand de culture. Hein. Donc, et, langue maternelle allemand. Ouais. Ok. Alors, as-tu dire, tu parles bien français pour un allemand? Oui. Oui, oui, non, mais là, ça fait un bail que je suis là aussi. Hein. Ok. Mais... Ça m'avait franchement vexé. Et du coup, lui, il m'a dit « Non, ben, tu fais plus de vidéos pour nous. » Bon, j'ai dit « Bon, d'accord. » Alors que j'estime que je n'ai pas spécialement d'accent ou… Bon, j'ai des défauts, hein, mais je trouvais ça blessant. Et cette même personne a fait l'autre coup auprès d'un animateur que je connais bien et que, bon, dont je vais taire le nom parce qu'il est aussi dans le forum, là. Il lui a dit grosso modo ça c'est pas du français, et je trouvais ça blessant, parce que blessant, c'est un mec de
de 50 ans qui dit à un autre mec qui a une quarantaine, écoute, ton français n'est pas juste. En pleine émission. Mais je trouvais ça fort. Quoi. Je dis, mais attends, mec, tu peux pas dire ça. C'est son émission, il fait ce qu'il veut. Et puis bon, même s'il a fait une faute de français sur un mot, je suis désolé, mais la plupart des auditeurs ne l'ont même pas entendu. Je schématise. Hein. Ça a peut-être choqué à l'oreille de certains, mais sans plus. Et je trouvais ça blessant. Donc, il faut toujours essayer, quand on fait du conseil comme ça, de bien montrer sa bienveillance et de ne pas être se positionner trop au-dessus de la personne parce que ça devient blessant. Ok. Hein. Ouais. Non, mais je crois que tu as raison et la bienveillance, c'est aussi si tu parles de langage, si tu parles de français, etc. Moi, je suis beaucoup sur un réseau social qui s'appelle LinkedIn et c'est aussi sur LinkedIn. Quand tu veux corriger une info, un post, une faute de français, une faute de grammaire, etc., c'est d'aller en MP, dire au fait, sur ce post, tu as écrit malgré que, vraiment, ça poque. Six fois. Louis XIV n'était pas roi en 1922. Vraiment, on corrige, tu vois. et du coup, le faire en privé. Moi, je n'affiche en public que les gens que j'aime pas. Donc, voilà. Tu le sais assez vite. Ouais, c'est ça. Il faut garder une certaine bienveillance. Et puis, on n'attaque pas les gens comme ça, quoi. Surtout quand on ne les connaît pas. Enfin, je trouve. Hein. Alors, s'ils sont imbuvables... Ceci dit, la personne en question, elle était imbuvable. Voilà. Ah, bon, j'ai quitté la boîte en question, mais c'était insupportable. C'était pour tout, pour rien. Enfin, je vais pas faire de, je vais pas schématiser. Mais c'est quelque chose à laquelle j'attache beaucoup d'intention. C'est justement cette bienveillance. On peut avoir tous les défauts du monde. Il y a certains qui sont corrigibles, il y en a d'autres qui sont pas corrigibles. J'ai des gens que je connais qui ont un cheveu sur la langue. Bon, de temps en temps, je les taquine avec ça, mais ça reste dans le domaine du privé. En public, je ne me permettrai pas. Tant pis si je ne la comprends pas, tant pis si elle fait un S avec un cheveu sur la langue, mais il faut être prudent, enfin, je trouve qu'il faut être prudent avec ça. Et puis, Isabelle Mergault te dira qu'on peut faire carrière avec un cheveu sur la langue. Hein. Exactement. Et Dominique Besnéard et deux, trois autres quand même qui ont des carrières tout à fait honorables. Absolument. Et au contraire, je pense même que c'est remarquable. C'est-à-dire que une personne qui s'exprime de façon tout à fait classique, tu vas pas t'en souvenir. Par contre, le vendeur qui avait un cheveu sur la langue, hey, tu vas t'en souvenir. Tu diras à ta femme, tu diras à tes potes. Ah bah oui. Moi j'ai deux trois trucs comme ça. D'abord j'ai des détails de couleur. Je porte aussi régulièrement le nœud papillon. Quand je mets des lunettes, j'ai des lunettes énormes. Voilà, c'est ce genre de trucs qui font qu'on me remarque. Et si en plus tu te souviens, je te fais remarquer que mon prénom se prononce Moulay comme soleil, tu vas te souvenir de moi, globalement. Alors en termes de visio-vente, est-ce que, parce que moi c'est une question que je me pose, est-ce que c'est plus direct? Que si on frappe à la porte entre guillemets d'un potentiel client, est-ce que la vente se fait est-ce que le process de vente il est de la même manière que de faire une démarche client, c'est-à-dire d'aller voir un client ou un prospect une fois, deux fois, trois fois, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que moi je n'arrive pas à imaginer, même si j'imagine que je pratique depuis quand même pas mal d'années. Mais est-ce que quelque part, pour vous, le process de vente entre maintenant, avec les visios, avec tous les outils qu'on a, et ce qu'on faisait dans le temps, est-ce que
Est-ce que pour vous, c'est une évolution? Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais... C'est un complément. Moi, je ne suis pas pour le « ou ». Je ne suis pas... Je suis un vrai partisan, à la fois personnellement et à la fois professionnellement, de la nuance. Je ne suis pas pour le « ou ». Ce n'est pas noir ou blanc. Ce n'est pas les méchants ou les gentils. Mmh. Ce n'est pas total téléphone, total visite spontanée. Alors, au niveau de la vente, je vais dévoiler un truc sur moi et sur ma méthode. Je fais du cold calling, je fais de la recommandation. Donc, je demande de la recommandation à mes clients, mes prospects, mes amis, etc. Est-ce que je peux appeler de ta part? Est-ce que tu peux leur dire? Est-ce que tu peux prévenir, etc. C'est des choses toutes simples, mais tout le monde ne le fait pas. Donc, moi, je le fais. Je fais de la visite spontanée, c'est-à-dire je m'arrête, je laisse une carte de visite, je dis bonjour, je prends un café à l'accueil. Je fais mon taf, je fais un petit peu de réseautage, et je fais de la prospection aussi via LinkedIn et à travers LinkedIn et à travers les messages privés que j'échange sur LinkedIn. Et ben, j'hésite pas à demander un rendez-vous en visio. Mais le rendez-vous en visio, c'est souvent l'étape 2. C'est souvent l'étape 2. Et puis après, on décide de ce qu'on fait, de comment on avance. Et après, on peut tout à fait faire une vente de A à Z, téléphone et visio. C'est pas impossible. Je crois pas qu'il y ait... je crois qu'en fait, c'est uniquement une possibilité de plus. Tu ne peux pas dire, je vais faire 100% visio, je vais faire 100% téléphone, je vais faire 100% spontané, etc. Tu ne peux pas. C'est juste un truc en plus. C'est trop bien. C'est une corde en plus. Enfin, c'est mon point de vue. Alors. Oui, oui, oui. Ouais. Est-ce que tu veux, moi j'ai Hélène est partie? Non, elle doit encore être là. Ah. Non, je suis toujours là. J'écoute. Non, je suis très, très, très attentive. Cache. Et mais... Fabrice est observateur. Et on a Jimmy aussi. Non, j'écoute aussi, Mireille. Donc j'entendais que tu étais partisan. Tu disais que tu étais partisan de non pas du ou, mais du et en fait. C'est ça que tu veux. Ouais, c'est ça. Partisan du et, pas du ou. C'est exactement ça. Ouais. Ça veut dire que tu fais du porte-à-porte, Mireille? Bien sûr. Ok. Donc, moi, je ne vais pas en faire. Alors. Quels sont tes freins à en faire et quelle est ta cible? Alors, non, d'abord. Tu vois, parce que ma cible, je suis en race campagne et j'adore ma campagne. Je suis face à un château, je suis juste à côté de la forêt. Si j'ai envie de me poser le midi dans un champ, je me pose le midi dans un champ sur ma colline. OK. Donc, c'est mon cadre de vie et je n'en changerai pas, sauf pour quelque chose encore de mieux, mais je ne vois pas. Mes clients, ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas dans ma race campagne. Mmh. Donc, faire du porte-à-porte, ça voudrait dire partir 3 jours, je ne sais pas, Bordeaux, Paris, Montpellier, Toulouse, et de faire du porte-à-porte toute la journée, mais en ayant préparé, la géolocalisation de tout le monde, mes cibles, etc. Eh bien, je ne pense pas que c'est comme ça que je peux toucher ma cible, sincèrement. T'as la réponse à ta question. Ouais, voilà, mais je culpabilise un peu parce que je me dis... T'as pas à culpabiliser. Parce que je suis quelqu'un, par ailleurs, même si je me cache derrière mon écran, en tout cas, vous en avez l'impression, ce qui n'est pas du tout le cas. Je suis quelqu'un de très humain et dans l'échange, qui a besoin de contact humain, mais c'est quelque chose qui me convient aussi. De rester à distance et de faire de la télévente. Tu es à Hautefort, toi, c'est ça? Yes. Ok. Non, mais je suis sur ton LinkedIn, hein, je n'ai pas deviné. Non, je sais. Tu sais, des détenus arrivent à trouver mes coordonnées, alors je pense que toi, c'est bon. J'ai formé en centre de détention. Comment des détenus arrivent à trouver tes coordonnées, remarque. Parce qu'il y a des téléphones dans les prisons. Et que j'ai pu former en prison
Et donc, il savait que s'il y avait besoin de quoi que ce soit, je pouvais être là pour eux, pour le développement de leur entreprise. OK. Voilà. Hélène, du coup... Pardon. Et ta cible à toi, c'est quoi? Moi, j'améliore l'impact. En fait, j'aide les entreprises, dirigeants d'entreprise ou chefs de service de formation à pérenniser leur activité grâce à l'amélioration de l'utilité de leur formation et de l'impact de leur formation. Donc, c'est sur des questions si les apprenants décrochent ou qu'ils ont des problèmes vis-à-vis de Calliope, qui est un gros mot dans le milieu de la formation, de l'audit, où on dit mais comment on accompagne mieux les apprenants. C'est sur des questions de comment on valorise la formation auprès des dirigeants d'entreprise, et etc. Voilà. OK. Ça répond à ta question, Fabrice ? Non, c'est Moulay. Non, Fabrice, je croyais que c'était la même question que Moulay. Ah, non, moi, ce que je voulais dire, c'est Hélène, du coup, si tu interviens à distance et tu disais avec des gens qui peuvent être à Bordeaux, à Paris, dans les grandes villes, alors que tu es à la campagne, moi aussi, j'allais dire que le canal visio, ça peut être en fait un canal que tu pourrais privilégier d'une manière à établir un premier contact et de voir si le déplacement est justifié, c'est-à-dire s'il y a une réelle opportunité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors ça dépend des contrats, effectivement. Là, je démarre un contrat avec un grand client à Nice. Donc on ne s'est jamais vu, je l'ai eu au téléphone, j'ai été recommandée auprès de lui et je l'ai eu au téléphone, le contact s'est très bien passé, on a décidé de démarrer immédiatement et on a notre visio de début de mission demain et la visio de fin de mission vendredi suivant ça sera avec caméra. Et donc voilà, c'est juste que je multiplie effectivement les accroches mais pas forcément le physique. Donc voilà, et c'est des choses auxquelles j'ai soin. Après, j'ai encore des difficultés en télévente. Hein. Comme tout le monde, je pense, il y a peut-être. Tout le monde a des freins, hein. faut pas croire. Oui, voilà, c'est ça. Tout le monde a des freins liés à nos croyances, à notre culture, à nos habitudes, au fait qu'on se compare sans arrêt aux autres. Au fait qu'on est dans une société de la compétition, au fait qu'on est dans une société de la démonstration, au fait que sur les réseaux sociaux, des gens affichent une vie, tu te dis waouh, mais comment ils doivent se gaver, il doit être millionnaire dans son ranch à Dubaï. Non, pas du tout, il est en galère dans un T2 à Clermont. Oui, parce qu'il y a les fonds maintenant, les fonds d'écran, des visios. Là, vous n'en avez pas, mais beaucoup travaillent avec des fonds d'écran qui alourdissent la bande passante et qui n'est pas permis pour tout le monde en plus. Par exemple, moi, c'est un truc que je ne mets pas du tout parce qu'ils voient mon bureau tel qu'il est. Et là, sur quoi je suis en train de travailler, il y a quelque chose de sincère finalement où je n'ai rien à cacher. Bah, nous non plus, regarde. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Chez Moulay, c'est encore Noël. il est joli, il est joli, le Playmobil. Hein. Oui, monsieur. Je suis sûre que Gilbert aimerait avoir le même, non? Il y a le chevalier de Playmobil dans la chambre de mon fils. Mais je pense que c'est un super investissement que j'ai fait parce que ce Playmobil n'est plus édité. Et je suis persuadé qu'il va prendre de la valeur. Ah, le chevalier est canon aussi. Je suis un peu collectionneur, à la fois de bouquins et à la fois d'objets de ce type. Ce qui me semble important, c'est dans la télévente, on a parlé d'éthique, du comportement, de pas mal de choses, mais c'est de créer le relationnel malgré la distance. Oui. Et ça, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de personnes, même professionnels de la relation, finalement, c'est très compliqué parce qu'ils ont, comme tu disais, Moulay, des croyances. Mmh. Ça en fait partie. Et je peux vous dire, je travaille avec beaucoup d'apprenants. L'année dernière, j'ai travaillé avec à peu près 1000 apprenants que je n'avais qu'au téléphone. Et je devais leur faire finir leur formation
hein, ils devaient finir leur formation, et j'étais leur voix, j'étais qu'une voix pour eux, pour qu'ils avancent dans leur formation. Et malgré la distance, certains m'ont recontacté et m'ont remercié, ou la direction de collège m'ont remercié, parce que, en fait, même si c'est qu'une voix, ça peut suffire. Et c'est la même chose en télévente avec la visio, c'est qu'il y a une barrière, l'écran, mais on peut capter des émotions. Gilbert en parlait à un moment donné, il me semble, sur les sourcils, sur le visage, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et ça permet, malgré la distance, d'avoir une lecture, une certaine lecture de l'autre qui est intéressante. Et pertinente en vente. Ouais, tu perds un peu en repérage de signaux faibles, mais c'est déjà pas si mal. Oui. Enfin, si tant est que la personne en face de toi a sa vidéo allumée. Mais... tu ne me convaincras pas. J'ai rien dit. Non, c'est l'ironie du truc quand même. Tu es dans un atelier sur la visio et. Ouais. Bah, la preuve, je peux assister à l'atelier. Mais c'est bien, on s'en souviendra. Je crois aussi. Tu t'es fait engueuler ou pas par le boss ? J'étais pas là tout le reste de la journée, mais le patron t'a engueulé ou pas ? Bah, il peut m'engueuler, je m'en fiche. Pourquoi ? Parce que c'est un choix et c'est pas parce que c'est secret ou quoi que ce soit. Je crois que vous pouvez même me trouver sur internet en kimono lors d'une compétition, donc vous voyez, c'est pas... mais il n'y a rien de secret en fait, c'est un choix qu'on peut faire une réunion sans avoir besoin forcément de vidéo, que ça peut alléger côté éco-responsabilité la donne un tout petit peu, et qu'on ne perd pas temps finalement sur l'échange. Non, effectivement, en ce qui te concerne, non, alors c'est vrai, j'aurais aimé voir les visages, mais bon, la voix, elle est claire. Et je trouve que ça, quand je l'ai fait, quand j'ai bossé en radio, l'image ne me manquait pas. Et quand on regarde bien sur les différentes chaînes radio, on reconnaît les personnes, on les entend, on les imagine peut-être, mais elles inspirent confiance ou pas. Mais on a malgré tout cette faculté de reconnaître une voix. Alors avec le visage, c'est mieux, hein, Hélène ? Mais bon... on se contentera de la partie voix qui inspire confiance aussi. Et donc, je comprends très bien que tes élèves ou tes contacts commerciaux passent très bien comme ça. Oui, et puis après, je suis en visio avec eux, hein, je vous rassure. Hein. Je ne vous rassure pas parce que vous n'avez pas besoin d'être rassurés. Mais j'utilise la visio quand c'est vraiment nécessaire. Là, demain, par exemple, c'est nécessaire parce que au-delà des mots que mon client va me dire, ben, il faut que je perçoive ce qu'il ne me dit pas. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, notamment en prison, avec les détenus. Et sur le non-verbal. Sur le non-verbal. Mmh. Et sur ce que tu peux capter aussi, physiquement, les ressentis. Ah, t'as lu ce bouquin ? C'est le tien, c'est pour ça ? Ah non. non, je croyais que tu allais nous vendre ton livre en télévente pour la télévente. Alors, le mien n'est pas encore sorti. Le mien sort. Mon bouquin, puisque tu demandes, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Astuce de vendeur, vous avez entendu. Mon bouquin sort pour Noël prochain. Tu pourras l'offrir à tous tes proches. Ah, non, celui-ci, sur le non-verbal. Non, je ne connais pas. Je sais que vous mentez de Paul Ekman. C'est notamment le bouquin qui a inspiré la série Lie to Me. D'accord. Ça vous dit quelque chose ? Ouais, pour moi, oui. Les différentes expressions, etc. Ah. Ok. Super intéressant. Et notamment sur les signaux faibles. Vous verrez vraiment...
la différence entre le vrai sourire, le faux sourire, celui qui... Ouais, vous pouvez vous faire plaisir, un livre de poche à 7,30€. Mais très bon investissement de 7,30€. C'est parfait. Oui, donc le mien sera 2€, le mien sera 2,69€ plus cher, mais ça sera un très bon investissement aussi. Parce que vous allez bien vous marrer. Donc, non, c'est des choses importantes qu'on peut bien capter. Mais il y a des détails aussi qui peuvent, qui sont plus simples en fait aussi. C'est la hauteur de la caméra en télévente. De bien placer sa caméra pour avoir ses yeux à peu près en face de la caméra, pour avoir un meilleur contact en fait avec la personne, la distance à la caméra. C'est des détails, on est de l'ordre du détail, mais qui donnent une expérience complètement différente. Ouais. Donc, c'est comme la luminosité, on entend parler. Ou... Voilà. Bon, je me tais. Non, mais je pense que tout ça, c'est quand même assez important et... C'est un tout. Je trouve une personnalité, qu'elle soit numérique, la personnalité entre le numérique et la vie réelle, il faut que ça soit à peu près aligné, à peu près identique. Et il faut que la personne qui vous entend ou qui vous voit, ou les deux, puisse vous reconnaître. Ouais, je suis d'accord avec ça sur la question d'honnêteté, sur la question ouais. Et je pense qu'à partir de là, la vente, elle se fait. On n'est pas surpris. Moi, j'ai eu le cas la semaine il y a 2-3 semaines. Je suis monté à Paris voir un futur fournisseur que je connaissais pas et. On a fait une visio, je crois, avant, ou juste des échanges. Bon, après, ça a tout de suite matché. Une fois que le contact est fait, une fois que la visualisation réelle est faite, je dirais il y a même plus besoin de visio. Mais entre le moment où on s'échange des mails et le moment où le contact réel est établi, si on peut avoir d'autres moyens de communication qui nous amènent à épargner peut-être un voyage à Paris ou un déplacement qui nous aura fait perdre une journée ou deux journées, une petite visio, moi, je ne suis pas contre. Hein. Moi, je ne suis plus contre. Et, ça me conforte dans l'idée, est-ce que j'ai envie de le rencontrer en réel? Est-ce que j'ai envie de signer avec lui? Franchement, la visio, je la trouve utile hein, dans le processus de vente ou d'achat. Je le trouve utile. Et est-ce que tu mènes différemment un entretien de vente en visio par rapport à ce que tu aurais fait dans la réalité? Non, parce que je trouve que c'est beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est un aspect ludique, mais le fait de se voir comme ça à distance, si je trouve, ludique, c'est pas le bon terme. J'arrive pas à le trouver. Et j'ai un ressenti un petit peu amusé de vous voir là en visio, de discuter avec vous. Et certainement le jour où je vous rencontre de visu, ouais, bah je ne vais pas vous signer un chèque parce que je n'en ai pas, j'ai ma carte bleue, mais je dirais les chances. Sur moi. Hein? J'ai un TPE sur moi, j'ai un sum-up. Hein? mais tu vois, le contact sera plus facile. Parce qu'on aura déjà... c'est vrai, mais alors c'est d'autant plus vrai qu'avoir l'impression de connaître quelqu'un sur les réseaux sociaux facilite la première rencontre dans la vraie vie. Et moi, je m'en rends compte parce que j'ai la chance d'être suivi par quelques
ça fait vraiment faire genre je me la pète, mais par quelques milliers de personnes sur LinkedIn. Et des fois, je rencontre des gens en événements réseau, en événements assurance, etc. Je suis dans un domaine qui est particulier, qui est l'assurance de personnes, donc la prévoyance, la mutuelle des entreprises. Et parfois, je rencontre des gens et je dis « Bonsoir, Moulay, enchanté ». Et ils me disent « Ah, mais je te connais, je te suis sur LinkedIn ». Et alors, ce qui est complètement dingue, et Loïc confirmera aussi ça, c'est que souvent, ce sont des gens qui n'interagissent jamais avec toi sur le réseau, mais qui te connaissent. Ils te lisent, ils apprécient, mais ils ne t'ont jamais envoyé un message, ils n'ont jamais commenté une publication, ils n'ont jamais réagi à tes publications. Par contre, ils te connaissent. Donc, je crois que ça fait partie aussi du côté être connu avant de rencontrer. Ouais. Et ça sert. La fameuse audience silencieuse, Moulay, auquel tu fais allusion. Ouais, 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 c'est ça. 90% en fait, quand même, des personnes, donc c'est pas négligeable, ouais, effectivement. Ouais. Ils te connaissent, mais toi, tu penses qu'ils ne te connaissent pas, mais ils te connaissent déjà. Alors, moi, je voulais juste faire un témoignage parce que ça peut aller plus loin aussi. Par exemple, moi, j'interviens aussi au niveau national pour faire de la formation. Et là, ce que j'ai vu des bienfaits en fait, du réseau, alors là, je vais parler plutôt des gens avec qui on est connecté, c'est qu'avant, j'allais à l'hôtel. Auparavant, on payait les frais d'hôtel, tout ça, c'était pris en charge. Après, pour minimiser ça, et puis je trouvais que c'était plus sympa, je faisais du Airbnb. J'aimais bien aller chez l'habitant, encore le lien social, etc. Et là, je m'aperçois que la plupart du temps, puis là, par exemple, la semaine prochaine, eh ben maintenant, en fait, je dors, je suis invité chez des gens du réseau LinkedIn, quoi. Ils me disent, attends, tu passes à Niort ou tu passes à Nice avec Fabien, etc. Il dit, bah, attends, arrête-toi chez moi. Donc, ça permet même, en fait, pour la plupart du temps, je ne fais plus du Airbnb, je vais rencontrer des gens dans la vraie vie qui me proposent en fait d'aller faire une dinette chez eux et même de passer la nuit chez eux. Quoi. Ça va jusque-là, quoi, en fait, à partir du moment où la relation de confiance est là et qu'ils se disent bah, écoute, on se connaît par LinkedIn interposé, pourquoi pas passer dans la vraie vie, bah, t'emmerdes pas à aller louer une chambre d'hôtel ou alors prendre un Airbnb, viens à la maison. Quoi. Moi, je trouve ça génial. Quoi. C'est génial. C'est vraiment une belle preuve de confiance aussi, parce que finalement. On te connaît que d'après ce que tu publies, etc. Et puis on t'accueille chez soi, etc. Avec, ouais, tu dis il y a une confiance qui s'est installée, quoi, mais ouais. De manière naturelle, quoi. Je leur propose ça, c'est eux qui te parlent de confiance ultime. Bien sûr, hein, bien sûr. Ouais, ouais. Ah, c'est chouette. Et pourtant, j'utilise pas la visio, hein, et ça, vous le savez. Moi, je suis pas. Alors, je l'utilise pour des cours. Ou pour les formations, je veux dire par obligation, mais je ne l'utilise pas dans ma communication sur les réseaux sociaux. Quoi. Moi, c'est plutôt l'écrit, la musique, mais pas du tout la vidéo. Donc, vous voyez, j'allais dire, je suis hors contexte, hors sujet, mais bon, voilà, parce que ce n'est pas mon canal privilégié quoi, et préféré. Mais je le fais uniquement pour la prise de contact, pour la première prise de contact. Quoi. Et que tu vendes par téléphone, par visio, en porte-à-porte, avec un call center qui prend tes rendez-vous, etc. L'essentiel, c'est que tu payes ton loyer et que ton frigo soit plein. Ouais, ouais, l'efficacité. Il ouais. Faut être à l'aise avec ce qu'on fait. Quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Peu importe ouais. Comment tu fais. Et choisir son cadre de vie, etc. Et, ouais, que tu puisses te regarder dans un miroir et te dire que je gagne ma vie honnêtement. Ouais. Voilà, point. C'est tout. C'est le seul truc. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal, ouais. Bah oui, c'est déjà pas mal. Après, autre chose, je sais pas. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, même si c'est en dehors de la visio-vente, bon, la forme, c'est bien, effectivement, hein, c'est important. Regardez, là, je suis en train de regarder, par exemple, Max. Max, là, il y a parfaite lumière, comme je lui ai dit, et tout. Le son, c'est nickel, etc. Lui, c'est son outil et tout. Mais il y a le fond aussi. Hein. Il ne faut pas oublier le fond, en fait. Quand je te disais tout à l'heure, par exemple, oh, pardon, je t'ai tutoyé, Hélène, pardon, on ne se connaît pas, mais ça, j'ai le tutoiement trop facile. J'ai hésité Hélène. Tout à l'heure à te tutoyer. Ouais, je sais. Donc, Hélène, ou vous. Alors, je vais dire vous, comme ça, je m'adresse à l'audience, non, comme ça, voilà. Donc, comme je dis, le fond, il y a quelque chose, l'art de la rhétorique, comme le disait Aristote. Donc, là, ce n'est pas pour me la péter, avoir un air condescendant, mais moi, je me suis beaucoup intéressé à cela. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'éthos, le pathos et le logos. Voilà, ça reste une base à mon avis, c'est-à-dire le message qu'on veut faire passer, il est compréhensible, j'informe, je donne du contenu à travers mon message que je veux faire passer. Le pathos, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'il y a des émotions à faire passer. Et comme tu le disais, Gilbert, même si la webcam est éteinte, on ressent quand même quelque part l'émotion, la joie, la peur, la tristesse, etc. Tout ça, ça se ressent. C'est encore mieux si on a la webcam, mais on ne l'a pas. Et puis après, je parlais d'éthique, parce qu'on parlait d'éthique de langage, et j'ai fait un jeu de mots en disant l'éthique
prédomine par rapport à l'éthique ou autique, en tout cas, c'est-à-dire les valeurs qu'on va faire transmettre, quoi. Et ça, c'est quelque chose auquel je m'attache beaucoup, c'est-à-dire pour capter ou captiver une audience, d'aligner bien ces trois éléments en fonction de son audience. Et si tu fais du stand-up, Moulay, tu dois le savoir, hein, ceux qui font du stand-up, etc., ils s'approchent toujours à cela, quoi. C'est-à-dire donner une touche d'éthos, une touche de pathos, de valeur, okay, qui fait fédérer le public, et une touche, en fait, de logos. Moi, je reste vraiment là-dessus, quoi. C'est important, je pense, hein. Oui, bah c'est pareil en formation. J'ai eu l'occasion d'avoir des cours avec Mathieu, un certain Mathieu qui forme des avocats. Et franchement, ça change beaucoup de choses, en fait. Les avocats sont très forts là-dessus. Hein. Ouais, bien sûr, ils travaillent beaucoup là-dessus. Hein. Et ça se retrouve dans la vente, en fait. Donc, moi, je vends beaucoup avec le cœur, donc je suis obligée là d'apprendre. Attends, on ne voit pas Moulay, il faut que tu. Ah mince, vas-y, montre. Non, c'est un sport de combat. Putain, ouais, ouais. Très bon bouquin de Bertrand Perrier qui organise des concours d'éloquence, notamment. D'accord. Moi, j'ai celui. Public, etc. J'ai celui de Clément Viktorovitch, Le pouvoir rhétorique. Ouais, absolument, très bon. Excellent pour aller plus loin. Ah voilà, très bon. Mais Moulay, pourquoi t'as montré le bouquin? Elle allait nous le montrer dans sa Sérieusement, je l'avais dans la main. Je l'avais dans la main de face à la caméra. Mais c'est des choses essentielles qu'on retrouve en vente. Et moi, je suis obligée de me former sur les aspects, sur l'aspect commercial, monter en compétences. Et ce n'est pas une mauvaise chose pour moi, hein, mais c'est qu'on retrouve tout ça, en fait. On retrouve la rhétorique. Et bien utilisée, c'est un puissant outil. C'est un puissant outil. Le problème, c'est que chez les jeunes, c'est dommage qu'il n'y ait pas de jeunes là. J'en ai discuté avec ça va Moulay. Moulay, je suis plus jeune que toi. Moulay, t'es en quarantaine. Moulay, t'es en quarantaine, donc voilà, t'es en quarantaine. Quand on est en quarantaine, c'est fini. Qu'est-ce que t'appelles jeune? Bah, je sais pas, ceux qui étaient dans les écoles là, pour le social. Oh, les vingtenaires, ils sont mignons. Y a des soucis, en fait, parce qu'ils sont insuffisamment musclés au niveau du visage, 400 muscles, et donc ils ne peuvent pas prononcer tous les sons. Et donc, certains lycées, il y a des professeurs qui viennent, je crois qu'on appelle ça notamment, il y a des synergologues, il me semble, qui interviennent, qui sont généralement metteurs en scène, profs de théâtre, etc., pour venir, qui ont une prestation pour apprendre aux jeunes à bien parler, mais pas sur les mots, sur la prononciation, tout simplement. Ouais. Et d'où l'importance, t'as vu ? Et puis ça, on revient au début de la conversation. Oui. On est méta, là, ça y est, on est méta. On revient au début. On est dans Inception. On revient au début de la conversation sur la Gen Z, sur les cours de théâtre. Ouais. Et l'importance d'avoir quelqu'un qui te dit hey, tu prononces mal. Je crois que là tu peux. L'oralité, c'est pas leur canal privilégié, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Les outils qu'on leur a mis dans les mains prédominent maintenant, en fait, pour des messageries instantanées, tu vois, les DM, le MP, beaucoup chez les jeunes, je trouve, et ils s'expriment beaucoup moins à l'oral que nous, ce qu'on nous demandait de faire auparavant, quoi. Je pense que c'est l'outil, le problème, hein. L'usage de l'outil qui fait qu'en fait ils communiquent beaucoup moins, hein. Moi, j'ai constaté en faisant des audits et bien souvent sur les télécoms, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est très bien de mettre, en fait, des forfaits illimités sur les mobiles. Moi, j'ai connu un temps où c'était de l'abonnement et il y avait un coût à la minute. Non, mais sérieux, le problème, oui, c'est que maintenant, en fait, si vous regardez bien, en fait, le réseau 4G ou le réseau GSM qui est utilisé, il n'y a que dalle. Ça représente une heure. Avant, on restait connecté sur sa prise de secteur. Moi, j'ai connu des jeunes, ils restaient les nuits complètes en se disant oui, c'est illimité. Maintenant, ils communiquent très, très peu comme ça, hein. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont perdu. C'est pas facile pour eux de communiquer à l'oral, parce que ce n'est pas les canaux qu'ils privilégient, quoi. C'est pour ça qu'ils ont du mal au téléphone
et à être fort en oralité. Donc, et c'est pour ça qu'ils doivent, prendre entre guillemets des cours là-dessus. Ouais. Moi, je pense, hein, c'est ce que je constate, hein, dans les écoles, je le vois. Parce que dès qu'on leur dit « allez-y, prenez la parole », waouh, là, il n'y a plus rien, quoi. Il y a la gêne entre eux, aussi, ça va, mais... ouais. Les croyances, et ça ne fait que s'ajouter, quoi. Des cours de diction, c'est vrai que si ça pouvait être inclus dans les entreprises et notamment les services commerciaux, ça pourrait être une très grande force. Ouais. Peut-être sous forme de théâtre ou de stand-up, etc. Parce que genre, moi, j'ai eu des cours de diction quand j'étais petite. J'ai été traumatisée et pourtant, ça m'a aidée pendant 5 ans en primaire. Mais c'est quelque chose qui, après, change tellement dans la vie des gens de pouvoir prendre la parole. Même si on est timide, même si on a besoin de se dépasser, on fait des choses incroyables. Juste parce qu'on maîtrise les mots et le sens des mots aussi. Je pense qu'il y a une grande importance aussi qui se perd. On maîtrise la construction des phrases, le ton. Le et vocabulaire, puis, hein, le vocabulaire. Que le vocabulaire, Hélène, rien que le vocabulaire. Quoi. Bah oui, je pensais être une grande handicapée de ça. Je suis avec... Ah oui, complètement. J'ai en permanence pratiquement mon dictionnaire en ligne CNRTL parce que les mots sont importants en formation et surtout si derrière on mesure un impact. C'était pas la même chose pour une organisation sur des compétences, par exemple. Et il faut... les gens perdent le sens des mots parce qu'on dit ouais. C'est synonyme. Ok, ouais. C'est synonyme, tout est synonyme de tout, donc on s'en fiche. Ouais. Ben non. Non. Et en fait, c'est une approche globale, holistique qu'il faudrait avoir. Que ça dépend, d'accord. Ouais. Où il faut des. J'ai une question et d'ailleurs des conseils à vous demander. Où il faut avoir ces aspects techniques à maîtriser, de l'outil avec lequel on est, Zoom ici, l'aspect environnemental, petit chat qui gratte dans sa caisse. Hein, je l'ai aussi, moi. Moi, j'ai de la chance, j'ai pas de chien qui aboie là. J'ai dû peut-être donner trop de pilules pour s'endormir. Faudrait que j'arrête ça. Et les aspects de communication, de comment nouer des liens à distance, etc. Mais ça devient tout un ensemble de leviers sur lesquels il faut travailler. J'ai une question pour vous et. Elle est assez simple. Comment vous gérez votre arrière-plan et votre dans le sens de environnement, pas le fond virtuel. Moi, j'en mets pas. Voilà. Et donc tu te poses peu importe où, Fabrice. Voilà. Par exemple, là, je suis dans mon bureau. Sinon, j'ai un autre bureau pour lequel je peux intervenir. Là, ma femme n'est pas là, ma fille non plus. Donc ça va, je les gêne pas parce que ça peut perturber l'environnement. Hein. On parle fort, on s'en rend pas compte. Donc j'ai un autre bureau en fait dans mon village, mais dans ce cas-là j'ai un fond, je sais pas, c'est un mur blanc dans mon autre local, mais je mets rien quoi en fait derrière. Je mets pas de fond virtuel. Je mets pas pour des restons de CO2 ou d'écologie. C'est comme tu disais tout à l'heure. Je trouve que je m'en fiche. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un album de Chet Baker, un mur bleu, une porte. C'est comme ça chez moi quoi, c'est tout. Ok. J'ai rien à cacher, je veux rien montrer, mais je veux rien cacher non plus, quoi. Voilà. Donc ma question c'est, est-ce que ça a un rôle à jouer dans la télévente finalement ? Alors des spécialistes médias, etc. te diront que oui, et qu'il faut avoir le fond le plus épuré possible, avec éventuellement quelques petits éléments de déco, etc. Ils te diront que ma déco est trop chargée. Il se trouve que là, on est en détente, on est entre copains, on parle social selling. Je dirais que un fond avec peut-être un ou deux détails qui peuvent déclencher une conversation, qui peuvent briser la glace, etc. Genre une petite déco icebreaker, un bouquin que tu laisses négligemment apparaître, un petit truc, pourquoi pas. Mais sinon au naturel, hein, tu peux. Ce qui compte, c'est quand même toi. Ouais, sinon ça détourne l'attention aussi. Hein. Si tu mets quelque chose de très visuel, les gens ils vont regarder ce qu'il y a derrière et perdre l'aspect visuel avec toi aussi. Hein. Ouais. Ça peut être ça. Plus simple possible, épuré, je suis d'accord avec moi. Moi, je cherche aussi souvent le fond épuré parce que j'aime pas trop montrer le bordel. Mais au final, franchement,
je veux pas dire que je m'en fous, c'est pas vrai, mais c'est pas une nécessité pour moi d'être parfait de ce qui se passe derrière. Là, je suis dans le salon parce que mon ordi, il est encore dans la voiture. Mais on va se faire éjecter. On va se faire en 15 secondes. Non, ouais. C'est pas en 15 secondes, on a encore le temps. Mais c'est, pour moi, c'est la partie la plus importante. Bon, il ne faut pas que ça dérange la conversation ou la dévalorise. Mais globalement, il y a le truc, sa vie privée ne regarde personne. Mais à part ça, franchement, ouais. Moi, je m'en fous. Hein. C'est aussi le privé qui crée du lien. Hein. Ouais. Parce qu'au final, ça, c'est clair. Quand ton client, tu le connais depuis un moment, tu vas avoir une conversation, tu vas passer 2 heures avec lui, tu vas avoir une conversation où tu vas parler business pendant 2 heures, et pendant 1h40, vous allez parler d'autre chose, quoi. C'est une règle, j'irais même, c'est une règle internationale. Ça. Je la connaissais pas, cette règle. J'en ai plein, des comme ça, si tu veux, Hélène. Non, attends, ta règle internationale. Je ne sais pas être très productif, moi. Je trouve que je mets beaucoup d'humains et de prendre des nouvelles, etc. Mais c'est vrai que c'est un déplacement pour moi, la visio. Ça reste un déplacement parce qu'on se donne rendez-vous à un moment donné, on va à un endroit particulier. Donc, on bloque l'agenda et tout, bien sûr. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Ouais, faut donc, que tu sois une opportunité, ouais, faut qu'il y ait une réelle opportunité pour toi, ouais. Je comprends. Mais ouais, bien sûr. Et donc il y a bien sûr les salles à Malek et l'aspect plus sympa, dans l'échange. Mais je reste tournée vers les résultats. Mais c'est peut-être parce que je suis dans le contrôle et voilà. Mais c'est parce que j'aime bien que ça tourne, quoi. Ça m'empêche pas de passer du temps des fois avec des dirigeants et de discuter une heure et puis. Il ne faut pas sortir du cadre. Hein. Moi, j'ai vécu ça, je m'en souviens. Comme disait Moulay, ça se passait super bien. Je me souviens chez Jean. Entrepreneur. C'est trop tard. C'est trop tard. Attends, juste une seconde. Vas-y, dis quelque chose pendant que j'arrête les recours. Vas-y, dis quelque chose. Alors, en fait, le job, c'était de meubler, en fait, si j'ai bien compris. Donc, écoutez. Non, bien sûr, les réseaux sociaux, c'est déterminant. C'est ce que j'appelle, moi, l'humain augmenté. On est dans une époque aujourd'hui où on ne peut plus vivre sans. Enfin, vous allez vous faire googliser en permanence. Donc, il suffit d'être en internet.